On est tombé en amour, on a découvert le paradis, et ce paradis se nomme Hoi An, une ville mystérieuse, une ville romantique. On vous la présente aujourd'hui. C'est pourquoi on adore la superbe ville de Hoi An. C'est justement parce que son architecture est restée intacte, les guerres ne l'ont pas affectée, elle n'a pas été bombardée, elle n'a pas été détruite. Donc on peut profiter de son architecture authentique et de ses beautés encore et encore. Hoi An a été fondée entre le 7e et le 10e siècle sur le chemin de la route des épices. Ensuite, elle a gagné de la popularité. C'est devenu le port numéro un dans la mer de Chine. Les Anglais, les Portugais, tout le monde venait y faire des affaires. Ça a donné sa richesse et ça a créé son architecture aussi indigène, mélangée avec des influences européennes. Une fois que le port de Hoi An s'est effondré, c'est devenu la ville voisine de Da Nang qui est devenue le point de transport, le port le plus important de la région. Maintenant, c'est le tourisme qui fait vivre la ville. C'est seulement 120 000 habitants ici, mais on dirait qu'on est beaucoup plus nombreux que ça, ça c'est certain. Au Vietnam, on le sait, de l'héritage français, il faut essayer les banh mi, le sandwich baguette qu'ils font partout dans le Vietnam. Mais le meilleur endroit, la meilleure ville, c'est où? Hoi An. On est où? Hoi An. On est sur un des endroits les plus légendaires de la place parce que Anthony Bourdain était venu. Il avait dégusté un banh mi qu'il avait amené au 7e ciel. On est ici chez Banh Mi Phong et j'ai commandé le même sandwich que lui. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je suis vraiment content un matin. Ça coûte 3$ le sandwich. Ce sandwich-là, si vous venez à Hoi An, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas le rater. Prenez le bread mix, celui-là à jus au poulet a l'air insensé, j'ai pas encore goûté. Mais moi, je vous dis, le mix de toutes les viandes ici, c'est incroyable. Le vieux Bourdain, il mentait pas. C'est de la bombe. C'est trop solide. Avec ce banh mi-là, là, il peut que se passer des belles choses. Limonade extraordinaire, on goûte au mode ce matin. Non, un peu ridicule, mais boisson délicieuse. C'est une recette inventée par le fils d'une famille de vendeurs d'herbes médicinales traditionnelles qui a inventé la recette et l'a adaptée au goût du jour. On y retrouve des citrons verts locaux, mais également des graines de fleurs de lotus, de la cannelle, du gingembre, de la citronnelle. Une recette secrète impossible à reproduire, mais le résultat est vraiment extraordinaire. C'est désaltérant, c'est frais, légèrement sucré, herbacé, floral, et c'est franchement très joli avec la fleur de lotus mise à l'intérieur. J'en ai débité un, je vais m'en prendre un deuxième pour la route. C'est unique à Hoi An, la recette a été inventée en 2015 et depuis ce temps, le line-up se fait tous les jours dès 8h devant la petite échoppe. L'attraction principale, le monument le plus visité de la ville de Hoi An est le pont japonais construit en 1593. Il faut faire un tour de force pour avoir des belles images parce qu'il y a du monde en maudit. Mais encore une fois, les troupes, nous, on n'est pas pire là-dedans. C'est notre force! Eh bien, quelle expérience! Je pensais acheter plusieurs lanternes, je vous le dis, là. J'adore ça, je trouve ça magnifique. D'après moi, on va en offrir en cadeau. On va en avoir plein la maison. Mais je pensais jamais pouvoir en faire une moi-même. Et là, je suis très fière. Elle est pas parfaite, elle a des petits défauts, mais c'est moi qui l'ai fait moi-même à Hoi An pour ma première lampe. C'est très réussi. On la mettra dans un coin en hauteur, loin des yeux trop indiscrets. J'ai trippé, quelle belle expérience! La dame donnait des bonnes instructions claires. On avait un choix de tissu assez vaste. On a eu vraiment un beau moment. Une grande fierté. La réussite, on l'a fait nous-mêmes. Ben, en fait, je l'ai fait moi-même. Seb a juste pris des photos. Fait que. It's mine. I did it. Oh, le Nox est bum. Le Nox est bum. Le Nox est fier. Proud. OK. Fraîchement terminé, il vient de nous sacrer les troupes là-dessus. C'est notre étendard maintenant.
vraiment beau, à vrai dire. Je suis super contente. Les troupes, c'est quoi? C'est le tigre. On vient d'entrer chez un tailleur, on se fait un costume sur mesure, donc on aura pantalon et veston pour Seb et pour moi. Digne la cloche et l'idiot, un petit match. Est-ce que tu respires, Seb? L'heure de vérité. L'heure de vérité, le tour de taille. C'est à mon tour d'y passer. Ça s'est fait plus vite qu'on pensait. Oui, et tout ça à jeun. On n'a même pas pris de café encore. On est entre funky et entre pas trop, hein, je pense. Ça a de l'allure, ça a de l'allure. Pas facile de faire les choix. Il y en a, il y en a, il y en a. Pas mal content de mon choix. Ça va être très beau, ça. Bon, ben le plan, c'était de se faire faire un saut aujourd'hui. Ça a juste été plus vite qu'on pensait. Ouais, on s'est fait sauter dessus. La fille est vraiment quand même gentille. Les tissus étaient assez beaux. Seb, en fait, va être chic, là. Ça n'aura pas de bon sens. Très hot. On a des noces cet été qui s'en viennent. Seb va trouver son costume. Avec plus de 400 tailleurs dans la ville de Hoi An, une chose est sûre, l'arrêt est excellent pour se faire faire un costume sur mesure. C'est ce qui nous est arrivé hier. Aujourd'hui, on s'en vient les rechercher. On a hâte d'essayer, voir si le sur-mesure sera vraiment à notre mesure. Seb étire le suspense. Ça lui prend du temps. On va voir le résultat final. C'est l'heure du dévoilement. Oh oh! Beau banane! Quand même! Ouais, extensible! C'est quasiment un pyjama. Maintenant, faut que tu nous rendes ça dans ta valise, ce beau petit costume-là. Et voilà. La touche finale. Bon, bien. Et oui, on est bleu et bleu. Les deux ont les mêmes goûts, faut croire. On peut se partir une business, je crois. That's good, thank you. Plat emblématique de la ville de Hoi An, on n'y échappe pas dans tous les restaurants, le kaolo. Kaolo, finalement, c'est une petite longe de porc avec des nouilles qui donnent leur nom, finalement, au plat. Elles sont très denses, chewy. C'est des nouilles, finalement, qui ont été séchées au soleil. Donc, elles sont réhydratées ensuite, mais vraiment artisanales dans le coin. À vrai dire, on en a vu même dans la rue, à sécher sur le bord d'une maison. C'est pas une soupe, c'est vraiment un plat de nouilles avec le porc et des petits morceaux de craquelin croustillant, quelques herbes, comme partout au Vietnam, dans tous les plats. Facile à aimer, un petit mix parfait de gras, de croustillant, d'herbacées, le citron est à part et le piment aussi. À présent, on y va avec les White Roses. Elles ont effectivement l'air de fleurs avec un cœur. Fait en quoi, les amis? En porc et en crevettes. Et donc, dans ce petit nid douillet de pâte faite à base de farine de riz, vous avez de délicats morceaux de porc, des échalotes croustillantes et de l'ail croustillant un petit peu, une sauce de poisson. Et c'est délicat. C'est une entrée servie chaude et très appréciée dans le coin. Tout en finesse, vraiment délicat. C'est sur les herbes, ça goûte le porc. La texture de la pâte est très fine. Le croustillant des échalotes françaises frites est absolument dingue. Ça met de bonne humeur et ça starte le repas de belle manière. Thank you, bye-bye. Thank you. Ah, vous êtes là! Joke de vieille alcoolo, man! Non, mais sérieux, là. Les fans de micro, là. Ici, c'est un temple de la bière dans un temple chinois sur une rue historique. Ça n'a pas de bon sens. Les bières sont délicieuses. C'est que des bières vietnamiennes, dont plusieurs de Seven Bridges, la place où on est, en fait, qui est une microbrasserie légendaire au Vietnam. Il y a trois spots, un à Saigon, un à Hoi An, un à Hanoï. Faites les trois, il n'y a pas de trouble. Vous allez toujours être gâtés. Donc ici, jus de qualité, bon prix. Il y a de la bonne bouffe. On n'a pas mangé les burgers. On a délicieux. Il y a quoi? Il y a 30 fûts. Tu vois un être humain arriver, il s'en vient, bam, 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 petit peu de temps. Il met le pied dans la place, tu vois, waouh! C'est comme s'il voit là, la plus belle chose de sa vie, ben c'est ça. Seven Bridges à Hoi An. C'est complètement malade, pigant. Le centre historique, le beau centre historique. Le centre historique qui nous fait rêver, là, qui est aussi beau que Venise. Il n'y a pas de grand place de même sur la planète.
ben il est là, il est à nos pieds, c'est historique, c'est délicieux, c'est crafteux, j'adore, c'est Oyan, c'est yeah! Woo! Tous les touristes du Vietnam se sont donné rendez-vous à Hoi An. On comprend pourquoi. C'est un conte de fées, là. C'est un putain de conte de fées, là. C'est magnifique. On rêvait de venir ici. On dirait que c'est arrivé dans le rêve. C'est arrivé dans le plaisir du voyage, de la découverte, de l'émerveillement. C'est magnifique. Une fois, on évite l'achalandage des humains sur les quais. C'est très agréable d'être sur l'eau, tranquille, sur sa barque, la paix. On n'a pas besoin de penser à éviter une moto ou quelqu'un qui passe. Il y a tellement de gens à cette heure de la journée, là, c'est fou, là. Là, on est chill, on en profite, c'est relaxant. C'est la vue de l'eau, hein, c'est pas pareil. Mm. Quand tu marches sur le trottoir, c'est tout en beau. Mais quand t'arrives et tu te fais flotter au milieu de la rivière... Ah, la perspective est vraiment magnifique de l'eau. Ça donne une autre ambiance, ça donne une autre vision. Le romantisme est là, au milieu de l'eau. Ouais. Le romantisme, c'est où? Au milieu de l'eau. Quand vous regardez une rivière maintenant, vous savez que si vous allez au centre de celle-là, il y a de la romance. Ah, il y a de la romance, c'est l'eau de romance. Ah, là, là! Et là, ils disent la merde sur notre compte. Ben oui, ben oui. Ça sert à ça, hein? C'est ça que ça sert à avoir une langue étrangère. Absolument! Et eux autres sont heureux, nous autres on est heureux. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, sans que personne comprenne. Ouais. C'est l'heure du vœu, c'est l'heure du bonheur pour l'année à venir. On se garde, ça a l'air que ça passe par une chandelle sur une rivière. Allons-y. Une fois par mois, à la pleine lune, la rivière est recouverte de lanternes comme celle-ci, de lanternes allumées. C'est absolument dingue. Mais ça reste magique, peu importe la journée que vous décidez de venir. Le gars a évité de ramer sur mon vœu, fait que c'est parfait. Ça va être à mon tour. C'est à ton tour, Seb. On se dira pas c'est quoi, là? Non.